من الجزاء المقاولون يتكلمون للمقاولون رجاء أولا استمعوا لبعض الرسائل الشخصية. نمو الخريف القوي والطويل. أكرر، نمو الخريف الطويل والطويل. اضطر قلبي دربا بعد يدك يا حبابك طويلا. أكرر، اضطر بهدلتني خلينا والله ما تبهدل فيا هكا يا والله ما تحشى. واش خو؟ صافا؟ انت كونتا؟ وي الحمد لله، دوتون بلوك اجوردي اليوم قريب بزاف على بالك نيميرو سبيسيال والله بك شغل ديش فيها اللي تساعدني لاصق فيا دين بابا هذا. اه صافي بليزير، صافي بليزير داتر. لابيتود اون اوبيجي دو فار دي دي جيمناستيك بور سيري لا ما 400-800 متر باسكو لي جون. لا والله تريك اون با هولوغرافيك، تو مونت بيت ام لا مان. سافي. اون بليس اون لابيتود، اون نارييف با سو كون فاس تا فيو. Alors premier numéro numéro spécial. Alors Blame Mac, Blame Mass. Blame Mass, Blame Mass. باش نهضر قبل ديالك. دينا كونتا الحبابا. Oui, oui, ça. Là, 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 là. À chaque fois, tu le fais. Alors, aujourd'hui, numéro spécial, voilà spécial, parce qu'on a notre première invitée sur le plateau, une certaine dame très sympathique que beaucoup de gens connaissent et que je vais montrer à l'écran. Oh là là, coucou. Ciao. Nassima, arhab avec nous. Bonsoir, Karim. Comment bonsoir, Karim. Là, j'ai résolu le mystère. Le mystère, ouais. Des deux cas. Non, mais tout le monde se demandait qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire les deux cas. Alors, parce que toi, on a super rien, gamme, garbage. Oui. Fin de journée, super fin de semaine. Voilà, fin de semaine. Et la semaine qui se colle avec la deuxième semaine, non-stop. Ouais. Donc, du coup, on demandera aux gens d'être indulgents et à du mal. Tout à fait. Pour les bafouillages qui se préparent. Merci d'être venu, Nassima. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nassima, en quelques secondes, une petite introduction. Bon, c'est trop peu, attends. Qui Modestie, c'est mon deuxième prénom. Nassima est une jeune chercheuse en entrepreneuriat. J'aime bien commencer avec ça parce que c'est la chose qui me passionne le plus. Et je suis responsable pédagogique dans un institut de formation. J'accompagne les start-upers et les porteurs de projets, spécialement les étudiants, depuis pratiquement 6 ans ou 7 ans. Voilà. Excellent. Donc c'est comme ça que on s'est connu avec Nassima il y a quelques années maintenant sur des startup weekend que même Nassima a été organisatrice ou ouais. On a été coach tous ensemble. En fait, il y a toute une zoologie de coach. Et puis ça a fait l'effet de boule de neige. Exact. Et en fait, on est doctorant d'un événement. Dans le même institut aussi, voilà. Bah, tu vois, ça fait plusieurs années déjà que les gens travaillent sur la thématique. Justement, voilà. Oui, oui. On a une actualité, hein, donc la semaine dernière, exact. On a vu quelque chose d'assez important, supposé être assez important, parce que moi je reste toujours prudent quand, pour ce genre d'événement et ce genre de déclaration. J'attends toujours de voir comment les choses vont se mettre en place dans la vraie vie. Mm-hmm. Hein. Et par contre, voilà, donc c'est une occasion pour nous non seulement de parler d'entrepreneuriat, mais tout de parler aussi des nouvelles annonces ou, exact. Ou de l'événement qui a eu lieu au CIC, hein, pour ceux qui n'y étaient exact. Pas. C'était le 14 septembre. Samedi 14 septembre. Il y a une semaine de cela. Ouais. Alors je résume, l'objectif de cette rencontre, c'était de faire émerger au même endroit les gens de l'écosystème du start-uping algérien pour parler avec les autorités locales, organisées par le ministère du commerce. Alors pourquoi le ministère du commerce? Sous le parrainage du premier ministre. Voilà. Exactement. Alors pourquoi le ministère du commerce? Parce qu'en fait le ministère du commerce a cette année, en mois de mai et en plus exactement février, fait l'annonce que l'Algérie aurait un stand au fameux salon international parisien Vivatech du start-up. Le plus emblématique de la région d'ailleurs. Exact, c'est le CES, je crois, c'est Saturne, c'est ça. Non, je rapporte besoin. Ok, bien sûr, je me rapproche. Voilà, comme un game of Thrones. Donc, je disais avec mes vaches. Donc, je disais, le ministère du Commerce a organisé une action. Alors, je ne sais pas, moi aussi, je reste très prudent, comme tu le dis. Les entrepreneurs en général, ce n'est pas des gens qui clémentent de l'aide à droite et à gauche. Donc, on est des gens qui sont dans l'action et on va devant. Mais il est vrai qu'on a remarqué depuis, je dirais, 2 ans que le ministère du Commerce essaye de parler avec l'écosystème des entrepreneurs et surtout des petits entrepreneurs, donc les start-upers algériens, qui ont été longuement marginalisés, pour essayer de comprendre. Alors, la première action qui avait été faite, vous vous rappelez, on était ensemble, c'était une action où ils avaient compris que
dans l'export. Il fallait discuter, il fallait exactement, voir parce qu'en fait, ils ont compris les pratiques sur le terrain et voir comment on peut alléger encore davantage. Exactement. Chaque le débat est ouvert, c'est une première, c'est un grand pas à l'avant. Après, ça reste à maturer à fur et à mesure. Bien sûr qu'on verra l'application de toutes ces mesures. Je note à ce sujet, c'est-à-dire que la première partie entrepreneuriat, c'est que le journal officiel date de 2013. Cette loi date de 2013 qui permettait aux entrepreneurs de lancer leur entreprise sans avoir recours à un contrat de location en bonne et due forme qui, connaissant le marché de la location en Algérie, exigeait un paiement annuel, tout à etc. fait. Et donc qui parfois dépassait carrément l'investissement de la start-up elle-même. Alors, c'était une grosse barrière à l'accès. Alors, à l'entrée, ouais. Alors juste pour, puisqu'on commence à parler de ce sujet, parce qu'en fait, la grande problématique qui découle de ce qui s'est dit en fait à grande pompe ce samedi dernier, c'est que in fine, les start-up, auront accès à des avantages qui leur permettront d'aller de l'avant ou de grandir plus vite ou je sais pas quoi. Bon, bref, on va pas rentrer dans ce détail. Mais dans plusieurs, ces mesures, il y a cette fameuse mesure où tu n'as pas besoin d'un local pour créer l'entreprise, etc. Or que, c'est quoi? C'est que tout le monde dit, ouais, c'est cool, c'est génial, mais où est la différence déjà entre le dispositif qui existait, le lancage, le CNAC, l'Angemenco, et in fine, c'est quoi une start-up? Comment elle va être définie exactement? Et comment aussi la, je dirais pas la cerner, mais la mettre dans un cercle d'avantages qui lui sont spécifiques. On n'est pas, c'est-à-dire le marché n'est pas clément, n'est pas juste, et on ne peut pas avoir les mêmes avantages parce qu'on n'est pas dans la même dynamique, qu'on n'est pas face aux mêmes enjeux. Après, il faudrait ça, c'est-à-dire ça, il faudrait le mettre dans le cœur de la réflexion. Comment distinguer la start-up pour mieux l'avantager par rapport à d'autres business qui ne demandent pas les mêmes efforts, qui ne demandent pas les mêmes, je dirais, les mêmes investigations, les mêmes investissements. Donc, Nassima Al-Hab, si on te demandait qu'est-ce qu'une start-up pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Alors, une start-up, c'est une entreprise, enfin, c'est un projet ou une réponse à une opportunité quelque part, ou une problématique de marché quelconque, pour le grand public ou pour le B2B, qui vient en solution, mais qui a quand même une prospection et qui a aussi un futur de développement qui est appelé à être plus grande après. Elle apporte l'innovation, mais dans l'innovation aussi, il faut savoir ce qu'elle apporte comme innovation. C'est-à-dire les gens la définissent comme étant une innovation technologique pointue, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'innovation d'écrémage. Le marché algérien en est un cas. Plein de secteurs n'ont pas encore été saturés, plein de problématiques n'ont pas été ni soulevées ni résolues. Alors, puisque tu parlais du côté légal tout à l'heure, Karim... Moi, je suis très attaché au côté légal. Non, mais c'est... Même lorsque la loi est mal faite, je dois accepter de me mettre dans le cadre de cette loi et batailler à ce que cette loi soit modifiée, changée, améliorée. Mais je dois rester dans le cadre. Mais il est clair que ce côté légal, en fait, il fige aussi la définition et tout ça, puisque dans un texte de loi, quand tu dis une start-up, au final, il faut la définir. Alors, j'avais fait l'exercice il y a quelques semaines pour essayer de regarder dans les textes de loi, le mot start-up, combien de fois il apparaissait. Alors de mémoire, je partagerai le travail sur la chaîne qu'on a fait. Je crois qu'il apparaît 4 ou 5 fois. Hein. Dans les décrets présidentiels. Il y a des décrets présidentiels, il y a une loi, il y a des circulaires. Et quand quand tu résumes le mot start-up, comment il a été utilisé dans le contexte où il a été utilisé, et tu essaies d'en tirer une définition, au final, la définition qui est donnée par ces textes de loi, quand on lit à travers les lignes, c'est que c'est une start-up. Alors, une start-up, c'est quoi? C'est une entreprise, une petite entreprise, qui est axée sur des porteurs, des créateurs, dans des entrepreneurs qui sont essentiellement des étudiants, voilà, des nouveaux sortants de l'université, et qui sont basés sur une innovation technologique, pure et dure. Et Madabik, cette innovation technologique, qu'on fait NTIC, donc fut numérique. Là, ça veut dire que quelqu'un qui dépasse 40 ans, s'il crée une start-up, c'est pas une start-up. Exactement. Elle alors, là, c'est aussi intéressant parce que c'est introduire la notion d'âge de l'entrepreneur, qu'il faut différencier peut-être avec la start-up. Tout à fait. C'était plus clair dans les textes de la loi de finances 2020, 2019-2020.
Ça crée un projet. Tout à fait. Ouais. Le projet t'as de loi. Tu as eu un commentaire, une news, un breaking news. Tu as eu accès à la loi. Non. Hassania, justement, pour le dire en arabe, le start-up, Aoul Mouassassat Nashi H. Oubania. Là, ça me. Ça m'érend. C'est ça, pas c'est exact, exact. Or, si on dépasse les 40 ans, on n'a pas le droit d'avoir une start-up. Exactement. Du coup, on élimine tous les avantages autour, même si la nature de l'entreprise est une start-up dans sa fondation. Je pense qu'il y a un exercice qui est très important à faire par rapport à nos dirigeants. À un moment donné, lorsqu'ils rédigent un texte de loi, et honnêtement, au fond de ma tête, je réfléchis à la loi sur le commerce électronique, hein, première mouture, donc ce qui est sorti, et qu'on essaye de transposer ces lois avec les success stories du monde, hein, des start-up mondiales. Je me souviens, il y a un paragraphe, je crois, où dans le commerce sur la loi algérienne, nous ne pouvons vendre que les biens dont on dispose en stock. En gros, ça voudrait dire que nous ne pouvons vendre que les choses que nous avons achetées. Magnifique, jusque-là, tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, c'est bien entendu, c'est ironique. Mais je me dis que si Amazon avait débuté sous cette loi, elle ne serait jamais devenue Amazon. Exact. Voilà. Donc il y a à un moment donné peut-être un exercice à faire, disant, bon, ok, cette loi elle est comme ça, mais est-ce que ça va permettre de créer des Amazon, des Google et des autres? Enfin, voilà, c'est un petit peu ça l'objectif. Voilà. On quitte à rêver, rêvons au maximum. Ouais. Tout à fait. Mais bon, voilà. Donc cet effort, cette définition de start-up va être, à mon avis, un élément déterminant du succès tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait s'attarder encore davantage et partager là-dessus. Le débat est ouvert et tout le monde est invité à y contribuer. C'est pour ça que si on construit sur cette logique de débat, le débat il est nécessaire, c'est pour permettre de voir ces profils différents qu'une start-up peut avoir et que le porteur du projet peut avoir, hein, puisque lui il va indirectement définir la forme de sa start-up. Mais il est très important, puisque tu as cité Amazon, c'est de rappeler des choses très importantes. Amazon, c'est des milliards de dollars. Pour beaucoup, ils l'appellent encore start-up. Elle n'a plus rien d'une start-up. C'est-à-dire que la start-up, le mot en anglais, hein, qui est démarré, il a été traduit en arabe, Shelka Nashia, qui est en train de démarrer. Déjà, Wallen, il y a le mot Shelka. Déjà, alors ça, c'est un grand débat. À part entière. Exactement, parce que déjà, je suis de cette école qui dit oui, il faut qu'elle ait une forme légale et j'irai même plus morale. C'est-à-dire qu'une création. Donne-moi une opportunité ici. Si on se dit qu'aujourd'hui, une start-up doit avoir une forme légale, ça veut dire qu'on doit piocher dans les formes légales qui existent. Exact. Ou on doit créer de nouvelles formes légales. Exact. Donc, nous avons par exemple le statut d'auto-entrepreneur exact. Qui devrait être, on voit ou qu'on observe, hein, désolé, on a une culture mondiale, européenne, mondiale, donc on sait un peu ce qui se passe. Le statut d'auto-entrepreneur, création société avec un euro, qui a été, en parenthèse, qui a été discuté. Qui n'est pas discuté, il y a 2 ans, je pense, le Conseil des ministres avait statué sur ça. C'est que, pour répondre à ce besoin légal, alors un truc qui n'a pour moi aucun sens, c'est passer la salle de 20 à 50%. 50%, on pourra en parler. Mais aussi, l'autre problématique, c'est qu'il. Enfin, pas problématique, le côté par contre sympathique, c'était qu'il disait la salle peut être créée avec un dinar symbolique de capital. Or qu'aujourd'hui, nous, une salle, pour la créer en Algérie, il faut un 100 000 dinars minimum. Alors, la dernière fois, en amont de la conférence de Algérie Innov du samedi 14, il y avait une conférence où j'avais été invité aussi. Où on a parlé de ces problématiques, en fait, ils préparaient, en fait. Alors, Béchina s'est fait un mot d'année, c'est qu'il y avait Mourad Mchtaï aussi qui avait piloté ce petit travail qui avait été fait. Il y a une caravane qui a tourné un peu partout en Algérie, et en l'occurrence, à Alger, il y avait une conférence où j'avais été invité pour donner la parole aux petites entreprises et aux jeunes entreprises et aux porteurs d'idées qui n'étaient pas encore entreprises pour parler des problématiques qu'ils rencontrent et des craintes qu'ils ont pour les concaténer, les présenter au ministère et en faire après derrière des actions concrètes. Donc c'était Zarma, la continuité et l'apothéose le samedi. Mais juste pour revenir en arrière et pour ne pas nous se perdre, il est clair que quand on va avoir, on a besoin, et sur cette notion de développement d'une définition d'une start-up en Algérie, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut benchmarker. Hein. Donc benchmarker chez nos voisins, en face de nous, un peu tout plus à loin. Fait. Et aussi, ne pas oublier la notion même, ce que je disais, Kalimat Nashia, c'est que l'objectif, c'est que cette entreprise rapidement grandisse et devienne une grande entreprise. Alors, j'ai aussi...
une notion aussi qui peut être aussi intéressante, c'est quand on benchmark sur un certain niveau, sur une certaine échelle. Excusez-moi, transposons aussi un autre cas de figure. Est-ce que vous pensez que Condor est une start-up si on la met en face de Samsung, de Xiaomi, de tous ces gens-là, de Apple, etc. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une start-up dans ce secteur-là? Alors, non. Je laisse la parole. Ouais. Non. 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 Alors, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que finalement, Condor... Enfin, quand déjà je dis Condor, Condor, Iris, etc., une industrie naissante... Naissante, d'assemblage, hein, on peut dire ce qu'il dit. C'est juste, je dirais, une grande boîte à outils. L'assemblage étant une étape. Enfin, une étape parmi d'autres. Je voilà. Comme ça. Je me dis l'opportunité a été que proposer un produit, je dirais, aux normes universelles, reste à vérifier, avec des prix abordables, à la portée du consommateur algérien. Mmh. Ça, c'était le plus grand buzz que Condor ou Iris a fait. Après, vient la partie production. L'innovation était dans ce côté-là. On ne peut même pas l'appeler comme une innovation, c'est une opportunité que ces entreprises ont saisie. Oui. Un grand marché porteur, absolument. Qui demande un produit relativement qui a les fonctionnalités d'un produit importé, et à un prix très accessible. On fait monter les usines et on assemble. Après, les parties, pour chaque partie, on ne le fait que les importer. Oui, mais allez, ce que je veux dire, c'est que cette partie-là, est-ce qu'on ne peut pas la considérer comme étant qu'une étape? Et que moi, je reste sur l'idée de... En fait, je parle du point de vue. On va parler de start-up lorsqu'on va parler de vraiment l'entreprise du garage, parce qu'on est en train de la comparer aussi avec les autres entreprises qui, elles, ont le bureau, le comptable, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se dit c'est une nouvelle entreprise qui va démarrer et donc qui va devenir un peu plus grand. Okay. Maintenant, si on transpose ça sur les secteurs, est-ce qu'il n'y aurait pas, tu vois, on a parlé à un moment donné des start-up de la fintech, et donc ils sont en compétition avec des grands acteurs, etc. Mais ça ne veut pas dire que la start-up est aussi une toute petite entreprise. Hein. Exact. Une start-up peut être une grosse entreprise. Alors, c'est bon, on est à combien? On est à 15 minutes écoulées, 15 minutes, et on n'a pas fini, et donc on le met en silence et on continue. En fait... Pour rappeler à nos... On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Voilà, okay. C'est notre chaîne. Ici, c'est Alger, mec. Voilà. Alors, allô, mec, on rappelle à nos streamers, aux spectateurs, que l'idée, c'était de dire on avait des 20 minutes, nous deux, bon, et quand on avait un invité, une heure. On va essayer d'aller au plus vite. Ce que je recommande, c'est qu'on fasse peut-être même une première partie, qu'on finisse cette première émission et qu'on poursuive. On va essayer de s'arrêter à 20 et on reprend... Oui, mais ne grille pas comme ça, Non, mais alors, juste pour pas qu'on se perde. Hein. On échange les t-shirts à la fin. franchement, non, Condor, c'est pas une start-up. On a du mal. Hein, non. Faut pas se leurrer. Mais dès qu'il termine, je pourrais ajouter quelque chose. Je pense que franchement, nous ne perdons pas. Technologiquement, même s'ils apportaient un plus technologique, ce n'est qu'une évolution incrémentale de la technologie. Même s'ils avaient des brevets, c'est une innovation incrémentale. Donc, à Condor, par exemple, il aurait fabriqué un téléphone, par exemple, et que ce téléphone, aujourd'hui, une partie du téléphone de Condor devait être, je ne sais pas, interchangeable, démontable, que le consommateur participerait à la fabrication, c'est même pas que le téléphone en kit, interchangeable, ou en panne. Allez, Mac, on peut innover ou innover dans le business model. Technologiquement, il y a beaucoup de petites entreprises algériennes qui font entre 100 000 et 150 000 dollars par an. D'accord. 10 entreprises qui m'ahado, ils font 1,5 million $ et une centaine fait 15 millions de dollars. Alors déjà, c'est lié, on est en train de faire une exclusion, non pas par rapport au secteur dans lequel, enfin, je dis une exclusion dans le sens où on ne définit pas Condor comme une start-up, non pas parce qu'elle est sur le secteur ou son business, ou sa taille, etc., mais surtout par rapport à son chiffre d'affaires. Exact. C'est plutôt pour ça qu'on se dit que Condor n'est pas une start-up. Mais je dirais que c'est une arme à double tranchant. Le capital, ou plutôt le chiffre d'affaires, on ne peut pas le considérer comme étant un élément décisif. Ça fait. Parce qu'on dit que c'est une petite entreprise qui a tendance à se développer. Elle peut commencer à 1 million de dinars et devenir à des milliards. Ouais. Par contre, l'étape distinctive entre une entreprise comme Condor ou autre et une start-up, il y a la partie études.
Parce que là, on est en train de faire, de maturer quelque chose, une solution quelque part, qu'on appelle le MVP, et puis qu'on le mature encore davantage pour qu'il soit le prototype. Il y a des tests, il y a des allers-retours, un marché parfois qui n'a pas été suscité, il faudrait arriver au market fit. Tout ça, c'est des éléments à prendre en considération, et c'est une étape cruciale dans le lancement d'une start-up, et qui vient en amont de l'exploitation. Avant que le start-upper commence à vendre sa solution ou son produit, il est dans une étape où il étudie les solutions par rapport à une problématique ou une observation quelque part. Je suis d'accord, mais attention, ça peut être aussi transposé à des grosses sociétés qui pourraient avoir à peu près la même démarche. En interne, oui. Avec un produit nouveau. Oui, oui. Et parfois, ces grandes entreprises, par leur, je dirais, difficulté, lourdeur de prise de décision, elles extrapolent tout ça et elles sous-traitent auprès des start-upers. Absolument. Ou elles rachètent des start-ups. Ou elles incubent des start-ups. Tout à fait, parce que la start-up, elle est petite, elle est flexible en termes de gestion, elle est flexible en termes de prise de décision. Elle est agile. Elle est agile, voilà. On pourra en parler, puisque nous, chez moi, on avait développé une méthodologie, même Nassima l'avait vu, pour porter les grandes entreprises à participer à la création de start-up. Parce qu'il faut rappeler que les grandes entreprises, elles ont un grand mal, elles sont infanticides en interne. Tout à fait. Les grandes entreprises, on met quatre les idées. Dans les grandes entreprises, alors il faut comprendre que les entreprises ont une force extraordinaire, c'est qu'elles ont déjà la connaissance de la problématique, puisqu'elles vivent la problématique en tout permanence, et elles la voient, et elles la touchent, et tout ça. Et en plus, elles ont les capacités, que ce soit matérielles ou compétences, pour développer une solution. Financière. Et financière, bien sûr. Et à partir de là, on se dit, mais pourquoi elle ne le fait pas? Et c'est là où on pourra revenir plus tard à parler des. Pour comprendre que l'innovation en soi n'est pas une fin, n'est qu'un outil pour une stratégie de différenciation. C'est-à-dire, quand on fait une stratégie de différenciation, on peut dire, nous faisons une stratégie de différenciation par l'innovation. Ça, c'est les grandes entreprises. Les startups, elles, le côté innovant, et je vais utiliser le mot créatif, il est dans l'ADN. À l'origine. Voilà, il est dans l'ADN. Soyons fous. Moi, j'ai travaillé et j'ai proposé une définition de la startup. Attends. Bon, comme ça, on met des. Ouais, je voudrais qu'on revienne sur Agile et Innov, rapidement. Ouais, okay, qu'on puisse clôturer ce numéro avec ce qui a été fait. Ouais. Et qu'on rebondisse ensuite sur une définition. Alors, les mesures qui ont été annoncées, qui aujourd'hui en théorie pourraient être intéressantes pour tout l'écosystème. En tout cas, il semblerait, énième fois, donc excusez-moi, j'ai un âge plus ou moins avancé. Moi, je suis à la quarantaine, donc je vais avouer que ce genre d'annonce, j'en ai subi pas mal. Mon enthousiasme est légèrement usé. Donc, je reste calme et j'attends de voir ce qui va se passer réellement dans les faits. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre. L'IFU, dans le prochain loi des finances, vous connaissez l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, qui est souvent pris par les sociétés qui préfèrent rester sur un modèle IFU, dont la fiscalité est de 12% sur le chiffre d'affaires. Et limité à un chiffre d'affaires de 30 millions de dinars par an. Il va passer à 15 millions de dinars par an. Le pire des scénarios, c'est une entreprise qui a dépassé, qui est à 15 millions de dinars de chiffre d'affaires. Et donc, elle va se retrouver avec un impôt, avec un IBS de 26%, avec une TVA reversée, etc. Ça va tout de suite. En tout cas, celles qui sont à 15 millions, voire un peu plus, elles vont avoir du mal à envisager l'avenir. Ça, c'est certain. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Donc, les mesures qui ont été annoncées, c'était... Rappelez-moi. Tu as la mesure qui a fait le buzz, qui était en amont, c'est... dans les étapes de création, donc la non-nécessité d'avoir accès à un bail de location. Okay. Après, la possibilité de domicilier son entreprise à son lieu à son domicile. Normalement, ça a été dit en mode diagonal. Hein. Sauf que ce qu'on a bien entendu, ça a été le côté chez un notaire ou chez un avocat, c'est-à-dire que la loi date depuis 2013. Exactement. Donc il réinsiste sur ce point. Sauf que j'avais discuté une fois avec un avocat. Il me disait oui, mais il n'y a jamais eu de texte qui nous permet applicatif de faire. Qui définissait les choses. Et c'est ça le problème. Deuxième côté, et c'est là où tout le monde a dit oui, mais ça existe depuis 95 ou 80, je ne sais plus, courtage peut-être. 2013, non, 95 ou 97, la création de l'ensage, oui, on ne paye pas les impôts,
l'avantage ouais. de ça existe l'ancien je me souviens non ah. c'est pas un machin de data donc c'est à dire que quand on a lancé je l'ai manqué lancé et c'est ce qu'on fait nous on encourage toujours les jeunes start-upers qui viennent vers nous de ne pas s'éjecter de l'ancien Allah tu t'éjecterais de l'ancien donc du coup ils que mais parfois c'est l'ancien qui t'éjecte hein. Ils font le parcours sûr, et puis ils sont pas dans la monoclature des métiers parce qu'ils sont limités le financement est limité ah, ça par certains... contre une actualité ils ont réouvert la nomenclature des métiers tout à fait il y a une discussion très plus ouverte. Ils ont réouvert les codes qui étaient bloqués, c'est-à-dire les activités qui étaient financées, qui avaient été type, je crois, transport routier, transport de marchandises, et puis aussi, quand on est étudiant, on n'a pas le droit à l'ensège. Alors, non, quand tu es étudiant, tu n'as droit à rien. C'est pour ça qu'on parle... je me rappelle, l'ensège, il faut ne pas travailler pendant 6 mois. Exact. C'est-à-dire que même si tu es en entreprise, il faut te déclarer chômeur d'abord. Alors, tu as quitté l'ensège, au moment de la demande de... au moment du dépôt de dossier à l'ensage, c'est à ce moment-là que tu dois exhiber une attestation au CNAS de non-affiliation. C'est moi qui traite de fait très rare. On m'a créé moi là, juste la commission. C'est ma fille, juste la commission. C'est bon, c'est ok, on peut traiter, mais il n'y a pas de problème. Et puis la question a été posée à la fin dans les ateliers. Comment peut-on, en étant étudiant, et qu'on développe une idée, et qu'on a une idée de start-up... Je t'avoue, moi, je fais les ateliers, parce qu'on a fait la conférence, c'était parmi les questions qui ont été soulevées. Comment, en tant qu'étudiant, on pourrait créer résister le cursus, pendant le cursus de formation devant des impératifs très complexes et devant des enjeux très complexes. C'est-à-dire, une start-up, elle est ce qu'elle est, mais elle a un degré, je dirais, elle est dans un degré d'obsolescence extraordinaire. Elle est vite, une idée qui est porteuse, elle peut devenir très vite non porteuse. Donc, si je te coupe, mais il y a des questions que je fais que j'adore. Tu viens de lancer... un autre débat. Non. Une des parties de la définition de la start-up que j'aime bien ajouter toujours dans cette définition, c'est que... Mais avant ça, on se retrouve, petite coupure, et on se retrouve dans 2 minutes. Alors, on fait la coupure ou on... On fait la coupure pour de vrai. Alors, si on fait la coupure, moi je la fais bien, Habibi. On se dit dans 2 minutes, ou à Isaï, ou à Habibi, ou à Aizad. Parce qu'il m'a dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je vous en reparle tout à l'heure. On revient dans un moment. Bisous, on va parler de définition start-up. Ah, on oui, va direct. Parler de l'Agence nationale du développement numérique ou du digital. Alors, c'est l'Agence nationale au digital. Au digital. Et d'autres choses, a priori, intéressantes. À tout de suite. À tout de suite.